Sœurs et frères, en ce dimanche de Pentecôte, chantons la gloire du Christ ressuscité qui accomplit ses promesses. Il a promis l'Esprit qui, à la Pentecôte, vient nous rejoindre dans notre condition et nous sortir de nos enfermements et nos torpeurs. À Pâques, la vie a envahi le trou de la mort, dissipant l'ombre de la mort. Pâques, c'est la victoire de la vie. Au matin de Pâques, la rencontre du Christ vivant va redonner énergie et confiance d'abord aux femmes qui sont allées de grand matin au tombeau, puis aux disciples enfermés dans la chambre haute. Elle marquera le début de leur sortie du confinement, une première vraie sortie pour les 11 disciples terrorisés depuis par la peur. Pentecôte, c'est l'aboutissement de la démarche de sortie du confinement des disciples commencée à Pâques. Selon Actes 2, c'est ce jour que descend sur eux l'Esprit à la fois dans toute sa force et dans toute sa douceur et qu'ils osent sortir en public. Si la vie prend le dessus, c'est afin qu'elle se déploie et non qu'elle s'enferme. La sortie du confinement commencée à Pâques s'accomplit pleinement 50 jours plus tard à la Pentecôte, le jour où les disciples, remplis de l'Esprit-Saint, sortent officiellement de leur lieu de retranchement et que Pierre témoigne publiquement du Christ ressuscité devant la foule de milliers de Juifs réunis à Jérusalem. Il fait un carton, il fait un buzz, environ 3000 convertis, 3000 sauvés en un seul jour. C'est le début d'une nouvelle ère, la naissance de l'Église du Christ. Si Pâques est la résurrection du Christ de la mort, Pentecôte est la résurrection des disciples morts de peur suite aux événements sanglants du Vendredi Saint. Aujourd'hui, jour de Pentecôte, rouvre de nouveau en France les lieux de culte après plus de 2 mois de fermeture. Aujourd'hui, jour de Pentecôte, la bonne nouvelle de libération du Christ est de nouveau annoncée du haut de la chair dans les temples et églises. Aujourd'hui, jour de Pentecôte, les chrétiens sortis de leur confinement se rassemblent de nouveau pour célébrer la grandeur de l'œuvre de salut du Christ. Aujourd'hui, Pentecôte nous renvoie aujourd'hui à Jérusalem, presque 2000 ans en arrière, à la rencontre des disciples qui, à travers l'œuvre du Saint-Esprit, sont sortis avec audace et confiance de la chambre haute où ils étaient, par peur, confinés depuis 50 jours. Commence ainsi pour eux une nouvelle aventure. Avec cette résurrection, leur vie ne sera plus comme avant. Elle n'aura plus ni la même couleur, ni la même saveur, plus les mêmes pratiques, encore moins les mêmes objectifs. Ils vont naître à quelque chose de nouveau. Leur ancienne vie est derrière eux. Leur objectif premier, c'est d'annoncer, de témoigner le Christ ressuscité, inscrit au cœur de leur vie avec audace, confiance et par des signes concrets. On dirait que leur temps d'enfermement a été une vraie période d'initiation validée par la descente du Saint-Esprit. Les voilà, tout désintéressés, s'abandonnant à l'Esprit pour être porteurs d'un nouveau projet de vie pour les populations au nom du Christ vivant. Ce projet annoncé avec conviction à Jérusalem, en ce jour de la première Pentecôte, enregistre environ 3000 adhésions, selon Actes 2:41. Pour nous aussi,
C'est loin d'être un hasard quand ce jour de Pentecôte rouvre nos lieux de culte pour l'annonce de l'évangile de la résurrection du Christ en assemblée, bien que réduite. C'est bien le signe que l'Esprit est à l'œuvre et qu'elle se dispose à nous accompagner sur les nouveaux chemins par lesquels nous mène le Seigneur. Il nous appelle à entrer avec lui dans de nouveaux projets pour l'humanité, projets qui trouvent leur base, leur intelligence et leur sens en lui seul. Il nous appelle à nous détourner de nos projets tout simplement humains et qu'humains, basés sur le pouvoir de l'argent, la cupidité, la toute-puissance de l'économie et de la politique, pour nous tourner vers sa vision pour sa création. Laissons-nous donc remplir de l'esprit de Pentecôte et qu'il nous éclaire par sa sagesse. C'est seulement cela que nous sortirons grandis de cette crise qui nous a tant bouleversés. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens nous ressusciter. Viens renouveler notre intelligence. Merci Seigneur de nous renouveler ta confiance et de la renforcer en nous à travers ces paroles de l'apôtre Paul qui disent « Car ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amen. Oamenii mei, poate dumne,